Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le papa, et papa, et papa, et papa, et papa. Il est le papa. Il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est le papa, et papa, et papa, et papa, et papa. Il est le papa, et papa, et papa, et papa, et papa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je suis venu vous saluer en tant que plateforme syndicale. Pour ne pas renier mon passé, moi aussi. J'ai été syndicaliste. Je sais combien cette vie est difficile. Souvent même, on est incompris. Et pourtant, on doit poser les problèmes que nos syndiqués vivent. J'ai vu tout le travail que vous avez fait. J'ai vu les difficultés que vous avez traversées. Passant souvent par des ponctions sur les salaires. Passant aussi par des emprisonnements, par des menaces. Mais le plus important, c'est ce qui a été acquis. C'est que finalement, vous êtes assis avec le gouvernement pour parler. Et vous êtes parvenu à un accord. Sous plus même que l'accord, il y a eu même une trêve qui a été décrétée. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous féliciter pour tout le travail que vous avez abattu. Pour des Ivoiriens que vous ne connaissez même pas physiquement, mais ce sont des êtres humains. Diriger, c'est l'art de rendre possible le souhaitable. C'est ça. Ce qu'on souhaite, c'est ce qui est possible. Et au milieu du souhaitable et de ce qui est possible, le dirigeant qui va essayer de mettre en relief le possible, puis ce que le gouvernement ou les dirigeants sont capables de faire. Je suis venu vous saluer. Vous dire aussi Yako pour tout ce que vous avez vu. Mais c'est comme ça. En tout cas, merci pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Merci pour vos syndiqués. C'est un devoir pour moi d'être là. Au moment où nous créions la plateforme nationale, tu étais déjà à l'autre côté. En 2015, quand nous avons mis en place cette structure transversale qui a mobilisé toutes les familles d'emploi du secteur public, les 6 familles, en une seule structure, c'était une première, donc, au dehors des anciennes centrales, mais c'était la première fois que les fonctionnaires réussissaient à faire cette cohésion et cette jonction de leur force. Et pendant que nous avons mené cette lutte en 2017, tu as trouvé les moyens de là où tu étais, et ça je le dis aujourd'hui, de là où tu étais, de me joindre. Je crois que c'était en avril ou mars 2017. Et tu m'as dit, frère, je te suis d'ici. J'étais surpris. Mais ah, les gars de télévision là-bas. c'est une prison. Voilà, donc, je te suis et je vois tout ce que, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, tout ce que vous êtes en train de faire. Et j'avoue que je vous admire le combat. Mais je voudrais te dire, je suis aussi tout ce qui est dit sur toi. On te traite de vendu.
de quelqu'un qui a rendu, reçu l'argent, tu me ressens même pas. Je vois, c'est la personne qui pose. Et tu m'as dit, je vais te donner un conseil. Ce qui compte en milieu syndical, c'est le résultat. Bah toi, quand le résultat va venir, tout ce qu'ils disent, donc ils vont dire. Avec deux proverbes, comme tu sais en bonus. Le premier, tu dis comporte-toi comme le bois vert qui plie sans rompre. Mais si tu te comportes comme un bois sec, on va te casser pour faire du feu avec toi. Ça veut dire qu'il faut éviter l'agilité. Il faut être flexible, il faut négocier. Le deuxième proverbe qui a dit comporte-toi comme une rivière. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Qui épouse les contorsions du relief pour aller à la mer qui est l'objectif final. Ça veut dire qu'il faut savoir t'adapter dans le combat et t'adapter à ceux qui sont en face. Ces deux proverbes-là, j'en ai fait une prédière, et une sorte de leitmotiv. J'ai un livre qui va sortir bientôt, je parle de ça. Parce que c'est un moment important. Donc, je tenais à te dire merci pour ces conseils. Ces conseils qui nous ont permis, in fine, en 2017, de gagner sur 5 points que nous avions dans notre plateforme revendicative, la question de la retraite. Une réforme avait remis en cause les avantages des pensions de retraite et avait réduit les pensions et supprimé un ensemble d'avantages au plan social pour les deux pièces. Nous avons réussi à réinstituer tout ça grâce à la lutte. Il y avait un stock d'arrivée de 2017. SDA a parlé tout le monde de 249 milliards de Français que le gouvernement avait décidé de ne plus payer, que nous avons fait payer et qui continuent d'être payés jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il n'en reste que 15 000, pratiquement les 120 000 fonctionnaires ont déjà reçu l'argent. Certains avec des montants de 20 millions de francs et 5 millions, plus de fois. Nous avons réussi à faire une bonification. Tous les fonctionnaires qui n'avaient pas de grille particulière comme les enseignants de la santé. On a pu réinstituer les cotisations syndicales de la sorte qui avait été bloquée pour empêcher aux syndicats de lutter. Donc c'était la liberté syndicale et syndicale. Donc 5 points sur 5. Wow. Au bout de ça, nous avons signé un accord avec vous. Très social, dans la vision du donnant-donnant. Et de s'adapter aux réalités. Et cet accord-là, pendant 5 ans, la plateforme nationale a respecté ça. En dépit de tout ce qu'on a pu nous dire. Et pendant ce temps, nous avons continué à travailler. L'accord s'est achevé cette année, en 2022. Donc, 2017-2022. 5 ans, où nous avons respecté notre part d'accord. Le gouvernement également a respecté sa part. Au bout de ces 5 ans, la plateforme nationale encore a travaillé sur le terrain, a mobilisé les fonctionnaires et a demandé au gouvernement qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes à la fin de l'accord. Est-ce qu'on reprend avec Pala ou bien on discute? Ils ont accepté de discuter. Le premier ministre Patrick Hachi, la ministre Anoubouto et tous les ministres ont dressé la table et nous ont invités à nous asseoir. Et nous avons négocié avec tous les autres syndicats. Au bout du compte, sur 350 milliards que nous avions obtenus en 2017-2022, pour cette année, pour 5 ans, nous sommes à 1225 milliards. Que nous avons amené l'État à payer à tous les fonctionnaires en leur donnant, en leur améliorant les allocations familiales qui étaient prévues depuis 60 ans, 2500 francs. Les indemnités de logement ont été améliorées. Les indemnités de transport ont été améliorées. Et nous avons même réussi à instituer un nouveau droit. Parce que la plateforme a demandé que les fonctionnaires aient enfin encore un 13e mois de salaire. Ce qui n'existe pas depuis 60. Et le gouvernement a concédé en nous demandant de réarticuler notre demande, mais comme nous sommes dans un rapport de demande, nous avons accepté d'appeler ça une prime exceptionnelle de fin d'année qui constitue les 33,33% du salaire brut du fonctionnaire au mois de décembre. Et cette prime-là est payée entre le 1er et le 10 janvier de chaque année, permettant ainsi aux fonctionnaires de, aussi dans les supermarchés en décembre, d'acheter aussi des choses, d'avoir des qualités, de Donc, chers frères, voilà les nouvelles. Et nous avons réussi à mettre en place des cadres de discussion
que le gouvernement a acté par décret. Donc aujourd'hui, à la base, dans les ministères, il y a des cas de discussion formelle et bientôt, les négociations sectorielles vont démarrer. Partout dans les ministères, il y a instruction de mettre en place ce cadre-là, que la paix sociale, la trêve sociale que nous avons signée, puisse être maintenue. Donc, voilà les nouvelles. Tous, la plateforme continue de travailler. Cette fois, en utilisant le dialogue que nous avons poursuivi, nous avons pu arracher ce que nous savons. Et nous avons encore signé une autre trêve de 5 ans, permettant ainsi au gouvernement d'avoir les pieds franches pour mobiliser les ressources et à nous de faire notre travail de syndicalistes, qui est de négocier. C'est quand il n'y a pas de négociation qu'on utilise l'emploi qu'est la grève. Donc voilà, chers frères, les nouvelles que tu trouves ici, dans quel état tu nous trouves, et nous continuons ce combat-là. Et nos structures de base sont aujourd'hui au travail pour arracher encore au niveau sectoriel d'autres avantages. Qui se radicalise, se marginalise. Qui se radicalise, se marginalise. Beaucoup ne le comprennent pas aujourd'hui quand je parle. Et quand je parle par expérience. Vous avez obtenu tous ces avantages des fonctionnaires du Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a eu des morts en utilisant l'arme de la négociation du dialogue. Négocier, ce n'est pas être faible. C'est quand les négociations sont bloquées, on a recours à ce que tu as appelé l'arme fatale, qui est la grève. Mais je pense que réussir à fédérer les syndicats au sein d'une plateforme, ce n'est pas chose aisée. Surtout dans ce pays où tout est politisé. Vraiment vous féliciter. Je vous dis que nous, moi je suis dans une démarche participative. C'est-à-dire, si tu veux concevoir un projet de société, il faut éviter de coiffer les gens à leur absence. Demande-le au moment des gens de coiffer qui veulent. Voilà. Donc, il faut aller vers les fonctionnaires, parler avec eux. Cartographie leurs besoins, en tenir compte dans tes projets. Je ne suis pas d'avis qu'il y a, il y a des gourous qui sont là, qui savent tout. Ce n'est pas vrai. Et il faut que ça parte de la base vers le sommet. C'est comme ça que moi je vais faire ma démarche. Donc je voudrais vraiment vous saluer. Je reviendrai ici, à cette occasion, que je puisse parler avec vous. Parce que nous parlons d'avenir. Bon, je veux partager l'espoir avec vous. Bon, je veux parler d'avenir avec vous. Ça, c'est très important. Bon, le passé, il y a eu des douleurs. Mais le passé, il faut en tirer les enseignements. Réorienter les choses. Améliorer ce qu'on peut améliorer. Quand on sort de prison, je l'ai déjà dit, on ne sort pas d'une piscine comme on est entré. On rentre sec, on sort mouillé. C'est comme ça. Moi, je veux parler à la Côte d'Ivoire pluriel, en me servant cette expérience. Je suis venu voir des syndicalistes. Je suis content du narratif qui m'a été fait. Et comment vous êtes arrivé à la trêve. Il y a eu des moments très difficiles pour votre premier responsable. Et j'étais dans ma cellule et je me retrouvais en lui. Quelqu'un cherche à améliorer les conditions de vie. Ces syndiqués, de ses concitoyens, on lui traite de vendu, de tout ce qu'on pouvait imaginer. Malheureusement, c'est la vie des leaders. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi qu'ils ont oublié tout ça. Non. C'est la vie de milliards, voilà. Alors que, si tu n'avais pas emprunté ce chemin de la négociation, tu serais aujourd'hui en train de négocier leur libération. Tout à fait. Laissant de côté l'essentiel. Nous sommes dans une société qui fait la promotion de l'emballage et qui oublie le contenu. Nous sommes dans une société qui fait la promotion de l'emballage et qui oublie le contenu. Le contenu, c'est demain quand tu n'es plus là, tout le monde saura que c'est grâce à la lutte que tu as menée, grâce aux injures que tu as essuyées, de tes syndiqués, mais grâce aux menaces aussi auxquelles tu as fait face des dirigeants. Que finalement, ce résultat est. Tu as planté un arbre. Merci. Et tu seras heureux demain. Que d'autres personnes puissent le vendre.
Car je n'ai jamais eu un homme de chasseur sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Quel est le papa? Rejoignez-nous au Cogep.